Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Etis, je suis le recteur de la région Bretagne et j'ai la chance ce soir d'animer ce moment privilégié avec Thiago Rodriguez. Et je me suis longtemps demandé pour pouvoir présenter Thiago comment le présenter. Alors voilà, est-ce qu'on raconte sa vie Et en fait, plutôt que raconter sa vie, je suis retombé sur un texte magnifique. Je vais vous lire ce texte parce que vous allez voir, c'est juste la manière dont moi, en tout cas, j'imagine que le théâtre doit pouvoir s'affirmer. Ce texte s'appelle Avignon, un café lumineux pour l'Europe. Le prix Nobel de physique Richard Feynman racontait que dans ses, ses meilleures idées, lui venaient à la cantine de l'université et non pas dans son laboratoire. Les théories les plus surprenantes surgissaient des conversations entre scientifiques, tandis qu'ils mangeaient, mettant de côté l'obsession de l'efficacité, de la productivité, l'obsession de la réputation scientifique de chacun des chercheurs. Les langues se déliaient, les esprits participaient au jeu, et les connexions synaptiques les plus inespérées donnaient naissance à de nouvelles théories qui, par la suite, pouvaient être testées en laboratoire. Le très érudit professeur de littérature, George Steiner, affirmait que, Tant qu'il y aurait des cafés, l'Europe existerait. Ces lieux de circulation des idées et des langues, ces lieux de convivialité, pourraient être le cœur d'un continent dont l'énergie vitale serait la diversité culturelle, artistique. Dans ces cafés réels et métaphoriques, la hiérarchie sociale se dilue, les différences alimentent les conversations. Et l'oisiveté permet que toutes et tous participent au débat créatif, politique, humaniste. Je suis persuadé, c'est Thiago qui parle, que le Festival d'Avignon a été et doit continuer d'être l'un des plus lumineux cafés de l'Europe, l'une des plus éclatantes, l'une plus des plus innovantes cantines artistiques du monde. Thiago, pourquoi cette métaphore sur la cantine et sur le café qui nous a tellement inspirés? Voilà, là, déjà, je pense que c'est la première fois que ce texte est lu en public ou, ou, même, ou même rendu public, parce que c'est le texte que j'ai écrit pour postuler à la direction du Festival d'Avignon, euh, auquel euh, mon cher Emmanuel a eu accès car euh, euh, il est au conseil d'administration du Festival d'Avignon, et la première fois qu'on s'est rencontré, je faisais mon audition euh, pour cette direction, euh, en, en faisant semblant que je n'étais pas du tout nerveux. Euh, C'est euh, une métaphore qui, qui correspond à, à une conviction euh, profonde de la place, place des arts, euh, et surtout des arts vivants qui convoquent la présence physique euh, des artistes et des spectateurs dans un même espace, un peu comme aujourd'hui on manque juste des artistes euh, parce que nous on, on, on est ici pour pour partager, pour parler et, et le discours il sera autre que le discours artistique, même s'il parle surtout d'art. Mais cette nature d'assemblée humaine, je pense qu'elle souligne quelque chose qui est euh, euh, très euh, Bien sûr, métaphoriquement, mais littéralement aussi, la place des arts dans la société. Cet espace de euh, l'utilité de l'inutile, cet espace où euh, le convivial se mélange à, euh, voilà, à la construction sociale, euh, où euh, l'efficacité vient absolument de l'envie d'échapper à l'efficacité. Euh, où on se transforme parce qu'on on laisse euh, voilà, une expérience se dérouler, où on, a, où on cherche le plaisir aussi, euh, mais surtout où on vit euh, ce moment démocratique du partage autour des arts. Euh, et là, je pense qu'effectivement, quand on pense à, un, à une idée très villaresque, très chère à Jean Villard, de l'expérience partagée, euh, par euh, des gens très différents entre soi, mais qui partagent d'une même expérience pour après, d'une certaine façon récupérer sa différence euh, par la façon dont ils discutent cette expérience partagée, y vécue en égalité. Euh, ça parle évidemment de la démocratie, ça parle de l'art, de l'être humain, mais ça parle de, de la fonction euh, euh, profonde qu'on peut découvrir qu que l'art n'est pas obligé de nous proposer, mais que nous pouvons découvrir euh, dans l'art qui est cette capacité de transformer notre rapport à l'autre. Euh, et le café, c'est un peu ça. Le café, c'est ce lieu. Moi, j'ai grandi euh, dans des cafés, mais, mais mes grands-parents, des deux côtés, les parents de mon père avaient un bistrot et Les parents de, de ma mère avaient un bistrot. La différence c'est que, un bistrot c'était plutôt du fromage et de, de la morue dans, dans, dans un petit village, et l'autre bistrot c'était en face de la gare. Et, et un peu plus cosmopolite euh, dans une petite ville du nord du Portugal. Et alors, j'ai grandi dans cette atmosphère où euh, le professeur de portugais du lycée euh, discutait avec le menuisier, euh, avec euh, ma grand-mère qui qui faisait sa morue, et euh, où euh, il y a une espèce de euh, collectif qui émergeait euh, dans ce parenthèse euh, du café. Après, bien sûr, euh, il y avait la structuration, l'hierarchie sociale, etc. Mais au café, il y avait un vrai partage qui était humain, intellectuel, souvent gastronomique. Euh, et, et alors pour moi, ce n'est pas vraiment une métaphore, c'est toute une éducation. C'est magnifique de dire que ce n'est pas une métaphore, parce qu'en France quelquefois on pense qu'il faut être très en relation avec l'art, avec les arseniques pour pouvoir aller vers la scène, vers le théâtre. Et tu es en train de nous dire en fait, il y aurait quelque chose de très personnel, c'est que tes parents étaient dans des cafés, c'est-à-dire des professions qui sont a priori un peu éloignées des arts, donc ça signifie aussi qu'on peut tous y arriver et tous aller vers les arts d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui a constitué ton éducation artistique et culturelle, puisque c'est un mot qu'on connaît bien ici Mon premier moment d'éducation artistique et culturelle s'est euh, passé avant même que je pourrais l'identifier. Comme un moment d'éducation artistique et culturelle. J'étais au lycée, là j'habitais déjà les banlieues de Lisbonne. J'étais au lycée, j'avais 14 ans et il y avait un professeur, euh, il ne m'a jamais donné des classes, mais il est professeur à ce lycée-là, euh, professeur de sociologie, et euh, Georges Pité, un mozambican qui était au Portugal euh, depuis quelques années, euh, depuis la révolution d'ailleurs, euh, depuis l'indépendance du Mozambique et il enseignait de la sociologie, mais il animait le club de théâtre le samedi matin. Euh, moi, je savais pas. Euh, et il, il avait une technique de recrutement des, des acteurs de son club de théâtre qui est, il marchait entre les classes, il marchait dans les couloirs du lycée, et si tu étais seul, il te recrutait. Et il m'a vu seul, et il m'a dit, samedi matin, tu viens faire le théâtre. Moi, je n'avais aucune envie de faire du théâtre. Euh, même si je trouvais ces gens qui faisaient le théâtre au lycée euh, et c étrange et fascinant. Étrange et fascinant. Euh, ouais, étrange et fascinant. Euh, euh, j'étais un peu attiré et en même temps, je pouvais pas l'assumer en public. Euh, et, euh, et lui, il m'a dit Tu viens Moi, j'ai dit Mais euh, moi, je je, je, bon, euh, je veux pas vraiment, je sais pas. Non, 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 tu viens. Samedi matin, tu es là, on commence à 10h et tu es là pour faire du théâtre. Et je suis venu et j'étais plus seul. Euh, J'étais accompagné. Et, euh, et quand on me demande, parfois, il y a euh, dans des interviews des journalistes qui me demandent pourquoi vous faites du théâtre, c'est quoi le... Moi, je dis toujours, euh, c'est exactement la même raison que j'ai découvert, je ne savais pas, mais que j'ai découvert quand j'ai fait le théâtre pour la première fois. Moi, je ne voudrais pas le faire. J'ai été poussé par ce professeur un peu autoritaire qui me dit non, tu viens. Et je suis venu. Et ce matin-là, j'ai compris, je suis là parce que là, je ne suis pas seul. Et aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu fais le théâtre, je fais le théâtre pour ne pas être seul, encore aujourd'hui. Et les gens que tu as rencontrés à ce moment-là, les autres élèves qui étaient là, ils étaient animés des, des mêmes motivations que toi Ah non, il y en avait qui adoraient le théâtre, qui rêvaient du théâtre depuis euh, euh, son enfance. Euh, moi, j'étais très attaché à la lecture, je dois dire. Et je pense que mon plaisir du théâtre, il vient du fait que j'aimais déjà la lecture. Voir l'écriture un peu. Et je pense que là, c'était ma porte d'entrée dans le monde, disons, de la culture, de la fiction et, et, et de lecteur. C'est l'amour des mots, de la littérature, qui était très spontané, pas organisé du tout, mais j'ai eu la chance de grandir dans des maisons où il y avait des livres. Et ça, je trouve encore aujourd'hui que c'est le plus grand trésor qu'on peut offrir à un enfant. Ce n'est pas de le donner à lire, de l'obliger à lire, c'est de le laisser habiter dans une maison où il y a des livres qui sont comme ça par là, qui sont utilisés, qui ne sont pas dans les dernières étagères pour impressionner, pas genre encyclopédie, mais des livres utilisés, qui sont manipulés, qui sont là, que les gens utilisent et qu'un enfant peut faire comme ça, et trop tôt, euh, à 11 ans, lire Madame Bovary, trop tôt. <laughs> très troublant encore aujourd'hui. Ah. Euh, mais voilà, mais trop tôt, euh, être face à des choses qu'il ne va pas comprendre, mais qu'il peut essayer de, de, de toucher. Là, j'ai eu cette chance. Euh, après le théâtre, j'ai jamais, jusqu'à très tard, quand j'ai fini le lycée, j'avais pas envie de poursuivre le théâtre, mais comme j'étais un étudiant très médiocre. Euh, le conservatoire de théâtre, l'école supérieure de théâtre à Lisbonne, ne demandait pas euh, des notes. Euh, voilà, tu faisais une audition et. et si tu avais terminé le lycée, tu rentrais. Alors, euh, le 3, ou même euh, voilà le portugais, ou les langues, etc., euh, qui pourraient être des, des chemins plus évidents pour moi, n'étaient pas nécessairement accessibles, à moins que je faisais des examens pendant quelques mois pour euh, faire monter mes évaluations. Et euh, c'était euh, alors le théâtre, la façon de continuer mes études, car j'ai travaillé pendant un an euh, des, des jobs comme ça, des... et c'est très dur de travailler. Euh, et je me suis dit, je vais, je vais essayer de continuer à étudier. Euh, j'ai quitté, j'ai travaillé dans une usine, euh, dans une, euh, je ne sais pas comment dire en français, euh, une pompe euh, d'essence, genre. Euh, une station essence. Voilà, une station essence, etc. Et c'était vraiment très exigeant. Et, euh, et je me suis dit, peut-être je vais essayer un chemin un peu plus facile, je vais essayer de continuer à étudier. J'ai postulé au Conservatoire de théâtre. Après, ils m'ont dit, après un an, ils m'ont dit, c'est pas pour toi. Euh, et là, quand ils m'ont dit c'est pas pour toi, c'est la première fois que je me suis dit je vais faire du théâtre toute ma vie. Euh, et je, je me suis inscrit à des workshops, des ateliers. J'ai commencé euh, à découvrir des, des compagnies, des artistes qui m'inspiraient. Euh, j'ai eu quelques invitations pour commencer à travailler professionnellement. J'ai quitté effectivement le conservatoire pour commencer à travailler en me disant je reviendrai plus tard euh, euh, couvert de gloire. Et euh, j'ai je n'ai pas encore retourné, alors je n'ai pas fini mes études, je n'ai pas encore retourné, mais je continue à attacher à faire du théâtre pour ne pas être seul. Et surtout, je pense que si on parle d'éducation artistique et culturelle, quelque chose qui était déterminant pour moi, c'était en faisant du théâtre. Et pourquoi j'ai devenu un professionnel C'est un peu un paradoxe, c'était le moment où je me suis dit, ce n'est pas très important que je suis très bon euh, comme artiste de théâtre. C'est juste accepte que même si tu n'es pas considéré euh, très spécial comme artiste de théâtre, tu es heureux en le faisant. Et ce moment-là, où encore une fois, euh, j'avais une raison qui était personnelle, intime, pour faire du théâtre, euh, les choses se sont libérées. Quand le jugement de ma qualité en tant qu'artiste de théâtre ou jeune étudiant de théâtre n'était plus en question, les choses se sont libérées. Et là, je retrouvais aussi une espèce de joie. Et le plaisir, je voudrais parler de la joie et du plaisir parce que je pense que souvent nous avons peur d'adresser, euh, d'utiliser ces mots. Dans des contextes, par exemple, éducation artistique et culturelle. Parfois, on est dans des contextes scolaires où on est face à des problèmes comme décrochage, comme évaluation, comme le parcours d'un étudiant, le cadrage des enseignants, les intervenants artistiques, etc. Très important et très, très important de mettre en place des méthodologies. Mais il y a des choses très difficiles à mesurer et en même, en même temps très palpables la capacité dans le parcours d'éducation artistique et culturelle, de transformer en jeune, en enfant, dans sa relation avec les autres et soi-même. Il y a un po po potentiel, ce n'est pas que ça va toujours se passer, mais il y a un potentiel de transformation qui est énorme. Ça, je l'ai vécu en faisant du théâtre comme adolescent, et je le vis encore aujourd'hui. Je suis transformé par le théâtre. Je n'ai plus peur, par exemple, de toucher comme ça, parce que je fais du théâtre. J ai, j ai, j ai pas le problème de ne pas savoir, de dire je ne sais pas, raconte-moi, je veux comprendre. Parce que je fais du théâtre. Et ça, c'est des choses que j'ai appris parce que je fais du théâtre. Je, je suis très ma curiosité du monde et de l'autre, elle vient du théâtre, euh, qui m'a transformé. Je n'étais pas comme ça à 14 ans. Euh, je pense que le plaisir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, mais on sait quand il est présent. Et quand il est présent, il est collectif. Une personne qui a du plaisir contamine. C'est contagieux, c'est reconnaissable immédiatement. Et même si on ne peut pas le mesurer, le plaisir, on parlait de ça d'ailleurs euh, un peu euh, avant en, en partageant euh, avec euh, Marion des, des, des histoires de, 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 de des parcours d'éducation artistique et culturelle, et je suis très sensible à ça, le plaisir, l'effet que le plaisir peut avoir. Par exemple, dans une institution, un établissement scolaire, un lieu culturel, s'il y a du plaisir. Et ce plaisir, il, il, il nous transforme aussi. Et ça, je pense que c'est des ingrédients très importants de ce qu'on peut appeler, effectivement, d'une façon cadrée, un parcours d'éducation artistique et culturelle, mais aussi l'éducation artistique et culturelle que nous faisons, par exemple, quand nous parlons dans les coulisses d'un théâtre, euh, d'une façon sympa, à un enfant, en lui disant. Euh, ça t'appartient. Le fait que tu ne sais pas euh, à propos de ça ou ça, c'est tout à fait naturel. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas non plus. Ou qu'on dit à un jeune qui a peur d'entrer à la cour d'honneur du palais des papes que c'est OK de rentrer en basket. C'est des questions bêtes parfois, mais, mais pas vraiment bêtes. Pas vraiment bêtes. À 14 ans, si quelqu'un m'aurait proposé de rentrer au palais des papes à la cour d'honneur à Avignon pour voir un spectacle, j'aurais regardé ce que j'avais... Euh Comment j'ai été habillé. Et pourtant, c'est le projet de Villard de faire venir tout le monde euh, au Festival d'Avignon, en ouais, bras de on... chemise, comme il dit. Il et, continue et à en travailler, basket. Villard. Ouais, il continue à travailler. Il continue à travailler, non, mais c'est important parce qu'au Festival de Cannes, on ne peut pas monter sans être. Euh... Parfaitement dans le dress code, alors qu'à Avignon, c'est. Et moi, je peux le. Je, je suis une preuve de ça parce que euh, pendant euh, pas le dernier, mais l'avant-dernier festival de Cannes, j'étais barré à la. Moi, j'écris en scénario dans film qui était dans la sélection officielle, et j'étais barré parce que j'étais en basket. Ben oui. Et, et après, j'ai invité Thierry Frémeux, le directeur exécutif du festival de Cannes, à venir en basket au Palais des Papes. Il est venu. Pas encore. Voilà. Mais je lui ai dit, en chaussure, tu rentreras pas. <laughs> C'est une très très bonne idée. C'est drôle parce qu'en en, en, t'écoutant, j'entends aussi euh, au fond que le théâtre et l'apprentissage du théâtre, tu en as immédiatement fait quelque chose dans ton quotidien. Tu peux toucher les gens, tu peux faire des choses. C'est important de pouvoir convertir ce qu'on apprend pendant un parcours d'éducation artistique et culturelle pour son quotidien, parce que c'est des choses très quotidiennes auxquelles tu fais référence. Je pense que c'est important si on le souhaite, et si on ne le souhaite pas, ça va se passer tout de même parce que c'est inévitable. Euh, mon. mon un euh, euh, des grands moments d'éducation artistique et culturelle que j'ai vécu, c'était très tôt en tant qu'artiste, en rapport avec un jeune. J'ai travaillé euh, dans des centres de détenus pour euh, des mineurs euh, avec des, des peines judiciaires euh, condamnés euh, par des crimes violents au Portugal. Et je faisais des ateliers d'écriture et théâtre avec eux. Et euh, un des grands moments, on, on passait euh, beaucoup de temps juste pour découvrir quel est le personnage principal. Alors, et je travaille avec ces jeunes, euh, pas sur l'histoire, mais pourquoi choisir un personnage principal de ton histoire Et il devrait écrire. J'avais un problème avec un des groupes, une fois, un jeune homme de 15 ans, euh, Raphaël, euh, du nord du Portugal, euh, qui ne savait pas écrire ou lire. Il est, voilà, un alphabet. Et, euh, et là, on s'est dit, comment on va faire pour faire un atelier d'écriture et de théâtre parce qu'il devrait écrire pour après jouer. Euh, jouer, ok, et en plus il était très exubérant, euh, mais et, écrire, euh, c'était compliqué parce qu'il ne savait pas, euh, il savait écrire son nom et c'était tout. Et alors, euh, je, je lui disais, on, on va faire euh, genre des conversations comme si c'était des interviews, j'écris, je te lis à voix haute et tu corriges. Euh, et tu me dis si c'est bien, si c'est mal, etc. Déjà, après quelques mois, parce que c'est un travail très lent, très profond, très contraint, euh, il a décidé que le personnage principal devrait être un bibliothécaire et que toute l'histoire se passait dans une bibliothèque. J'ai pleuré, j'en rends moi. Que quelqu'un qui ne sait pas écrire décide que son histoire se passe dans une bibliothèque et que le protagoniste est un bibliothécaire, évidemment, avec son nom, Raphaël. Et, euh, et c'était très touchant. Mais ce qui m'a vraiment euh, touché, parce que la restitution à la fin de l'année euh, était toujours euh, une espèce de programme de radio avec plusieurs épisodes où des acteurs et eux lisaient les histoires qui avaient sorti de, de cela. Et très, 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 très proche de la fin, avec beaucoup de travail déjà sur son histoire, euh, je la lis euh, et ça devait être la validation totale pour euh, après enregistrer pour la radio, etc. Lui, il n'allait pas lire parce qu'il ne pouvait pas, mais on aurait sa voix en introduisant l'histoire et après un acteur qui la lisait. Et, euh, et je lui ai lu l'histoire à voix haute, genre euh, dix minutes de lecture. Et à la fin, il me dit, euh, j'ai quelques notes parce que moi, je n'aurais jamais écrit ça. En tant qu'auteur de cette histoire, je n'accepte pas. Il y a plein de moments où euh, je ne ferai jamais cette blague. Je ferais et il m'a parlé pendant une demi-heure comme auteur de l'histoire que je venais de lui lire à voix haute et qui était le résultat de notre travail. Et évidemment, l'histoire avait trop d'écriture parce que c'était moi qui la travaillé. Et il disait Non, j'aurais jamais fait ça, ça, c'est pas ce mot-là, tu peux répéter cette phrase Non, pas du tout. Ça, il faut inverser. Et sa propriété, sans savoir écrire encore, sa propriété sur cette histoire, en tant qu'auteur de l'histoire qui se passait dans une bibliothèque en 2060, c'était une bibliothèque de l'avenir, euh, ça m'a complètement bouleversé. Et, euh, et, et, et je pense que c'est sa transformation de, de, de l'autorité qu'il avait sur son récit. Était une transformation profonde, alors que la compétence d'écriture, il l'a gagnée, euh, parce qu'il avait des classes, etc. Alors plus tard, il savait déjà écrire un peu. Euh, mais sans avoir encore la compétence, si on pourrait se dire, quel échec, Thiago, tu fais euh, ce travail pendant un an, à la fin, il ne sait pas écrire. Mais à la fin, il savait écrire. Il savait raconter. Il, il savait écrire, il était auteur de son histoire. Il avait juste besoin de moins pour que l'écriture était un page mais il savait écrire et ça pour moi c'est quelque chose qui m'a enseigné énormément à chercher les résultats de l'éducation artistique et culturelle ailleurs que dans le lieu évident et très visible euh, il y a des résultats mystérieux de, 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 de ces parcours là et parfois ce résultat pas tellement visible mystérieux qu'il faut déchiffrés et sont les plus profonds. Ce que tu es en train de nous dire indirectement, hein, c'est que toutes les personnes qui sont là en face de nous dans cette salle, tout le monde sait écrire et qu'il faudrait le bon révélateur pour chacun pour s'y mettre. Euh... Ça. Moi, je crois à la pratique euh, artistique généralisée. Moi, je suis pour la pratique artistique généralisée, au-delà de la pratique artistique professionnelle ou pas, reconnue ou pas. Euh, je pense que euh, n'importe qui peut avoir des pratiques artistiques, d'ailleurs, doit les avoir. Euh, une autre chose, c'est euh, après notre rapport avec euh, de l'art reconnu en tant qu'art, et surtout avec les artistes en tant que professionnels et qui se autoproclament artistes. Euh, parce que, évidemment, ce métier est aussi euh, un métier qui dépend de, du choix de devenir artiste. Après, je pense que, comme dans l'éducation artistique et culturelle, tu as, as effectivement la dimension de contact avec les artistes et les œuvres, mais cette dimension, même s'elle peut déclencher énormément d'expériences et ouvrir énormément d'horizons, a besoin d'une dimension essentielle qui est celle de la pratique artistique et la dimension de la production dans discours et dans cadre de lecture, une grille de lecture du monde qui est culturelle. Moi, je ne crois pas que notre citoyenneté est complète sans art et culture. La citoyenneté démocratique républicaine, elle n'est pas complète sans art et culture. Alors cela veut dire que l'éducation vers la citoyenneté euh, 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 démocratique et républicaine doit opérer pour que cette citoyenneté devienne complète. Voilà, c'est ça. Et ça, pour moi... Si je, si je me retire du secteur culturel, de mon regard un peu spécialisé de quelqu'un qui travaille dans le secteur culturel, et si je pense au Thiago Rodriguez qui vote et qui lit des journaux et qui a des expériences et qui, a, euh, voilà, et qui va au café, hein, ce Thiago, ce qu'il pense, c'est que l'éducation artistique et culturelle nous prépare pour la possibilité des citoyens complets. C'est magnifique. C'est un très joli plaidoyer pour pour toute l'éducation artistique et culturelle, et devenir citoyen complet, au fond, une des questions qu'on se pose beaucoup ici, euh, y compris à l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, est-ce est qu'il y a un bon âge pour les, pour les premières fois, c'est un sujet qui tient très à cœur, les premières fois au Festival d'Avignon, un bon âge pour les premières fois au Festival d'Avignon, les premières fois culturelles, c'est un sujet aussi qui tient très à cœur à Damien Malinas, qui a écrit, c'est dans les premières fois au Festival d'Avignon que se joue la condition de festivalier, la condition de citoyen, elle se joue dans quelle première fois, selon toi Évidemment que euh, du point de vue euh, de politique, dispositif, du travail d'éducation artistique et culturelle, euh, la jeunesse et le contexte scolaire euh, est très important parce que c'est les âges euh, dans lesquels on forge nos habitudes culturelles et autres. Euh, c est, c est, euh, on, est en, on est en construction et on le sait bien euh, à tout niveau. Euh, après, je ne crois pas qu'il y a une âge pour être pour la première fois au Festival d'Avignon, au contraire. Euh, D'ailleurs, nous savons euh, que les premières fois au Festival d'Avignon, spontanées, et je parle des gens qui décident, je vais au Festival d'Avignon cette année, parce qu'ils ont lu quelque chose, parce que c'est un rêve ancien, parce que quelqu'un les a parlé, mais les gens que spontanément, pas organisés en groupe, décident d'acheter un billet et de venir au Festival d'Avignon, euh, soit... Parce qu'ils sont chez eux, ils sont avignonnais ou des alentours, soit parce qu'ils voyagent, et traversent la France, ils dépensent de l'argent, ils s'organisent et ils viennent au festival d'Avignon. Euh, on sait bien que euh, c'est très dispersé en termes d'âge. Une bonne partie, euh, autour d'un tiers, ont moins de 30 ans. En, en autre tiers, et vous me corrigerez, si j'ai parce que vous connaissez les chiffres encore mieux que moi, mais entre 30 et 60, il y a encore un en, en tiers plus de 60. Et ça raconte de, déjà du potentiel du Festival d'Avignon à cause de sa réputation, son histoire et je veux croire euh, encore de sa qualité d'être une porte d'entrée euh, pour euh, des gens qui viennent pour la première fois, même si beaucoup de ces gens qui viennent pour la première fois peuvent avoir des habitudes culturelles très régulières. Mais ils viennent pour la première fois au Festival d'Avignon. Mais nous croyons aussi que le Festival d'Avignon... Et une porte d'entrée dans les habitudes culturelles. Et là, surtout avec la jeunesse, et dont notre envie de organiser ces premières fois de jeunesse euh, pour euh, faire un travail qui nous paraît important. C'est de dire, si on vient pour la première fois dans un groupe organisé au Festival d'Avignon euh, et on est jeune, on est privilégié. Et ça, on l'accepte. Là, il y a un privilège. Ils vont avoir des bonnes places, ils vont avoir des médiatrices et médiateurs qui vont les accompagner, ils vont avoir une communication spécifique euh, pour eux, ils vont avoir euh, une tendresse, une envie d'inviter de la part du festival que peut-être on n'adresse pas à tout le monde. Parce qu'ils viennent pour la première fois et on sait bien... C'est difficile de venir pour la première fois si on n'a pas un professeur de sociologie qui nous dit Tu viens et c'est tout. C'est difficile de prendre la décision. Il faut l'organiser. On sait que pour les jeunes, les freins économiques sont beaucoup plus importants. On sait qu'il il faut organiser cette première fois en jeunesse avec les écoles, mais aussi avec des associations, des centres sociaux, d'autres partenaires, d'autres festivals, d'autres théâtres. Il faut l'organiser pour dire euh, ces lieux-là, cette aventure. Qui existe depuis 1947, qui a transformé l'histoire du théâtre occidental et des arts vivants en Europe et dans le monde. Ce lieu-là, à ces jeunes, par exemple de Gangans ou de saint, saint denis ou de Saint-Étienne, ce lieu-là, l'appartient déjà. C'est juste qu'il a pas encore visité. C'est un peu comme quand on a un héritage d'un grand-père quelque part dans la montagne. On sait que c'est là. Ça nous appartient déjà. On l'a pas encore visité. Et le Festival d'Avignon nous appartient à toutes et à tous, mais en priorité à ces jeunes qui ne l'ont pas encore visité. Il faut juste organiser le voyage. Il faut organiser le voyage. Pour le coup, c'est très à propos parce qu'on avait prévu de diffuser un petit film. Euh, je sais pas si on peut le montrer parce que je crois que dans la salle, on a des élèves qui viennent d'un village qui est à côté de Guingamp, euh, qui s'appelle belle île en -Terre. Et qui, a fait, qui ont fait une belle expérience que de venir il y a deux ans, je crois, pour une première fois au Festival d'Avignon. Et, et, et il se trouve qu'on a filmé cette petite expérience. C'était la première fois, je pense même que pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils prenaient aussi le TGV. Donc euh, si on peut nous montrer ce film, peut-être après on pourra réagir sur cette première fois de collégiens à Avignon pour les identifier. Est-ce qu'on a des élèves qui étaient dans le film et qui sont là Vous êtes tous regroupés là-bas On vous passera la parole peut-être tout à l'heure parce que c'est intéressant que vous nous racontiez tout ça. Donc euh, voilà, c'est une... un bon souvenir pour vous quand même. Bon. bon, on va les laisser pleurer un petit peu. <laughs> peut-être que tu veux leur dire quelque chose, Thiago c'est très touchant de, de voir ce, ce vidéo parce qu'il correspond, à, je pense, à une des, des, des possibilités les plus touchantes du Festival d'Avignon, c'est que avec cette fièvre d'une ville que devient festival, euh, parce que c'est vrai qu'on parlait de la particularité d'un Festival d'art vivant par comparaison à d'autres, mais il y en a d'autres particularités du festival, c'est la trépidation d'une ville qui se transforme en festival. On ne peut pas échapper le festival. Alors qu'on est à Avignon en juillet, euh, le festival il est partout, la ville elle est transformée, euh, la vie dans les rues elle est transformée, euh, les gens respirent euh, art vivant, théâtre, danse. Euh, C'est un peu le pays du théâtre dans le sens que euh, les gens qui sont à Avignon, elles sont certainement là à cause des spectacles. Euh, à cause du festival, il, elles courent entre spectacles. Quand on mange en juillet à Avignon, on mange entre spectacles. Quand on dort, on dort entre spectacles. Euh, quand on débat, et on débat souvent, on débat à cause des spectacles. Et, et, et cette dimension-là du, du, du festival euh, qui, qui prend... La vie entière, cette idée d'un pays du théâtre, euh, je pense qu'elle est euh, bouleversante pour euh, celles et ceux qui visitent pour la première fois. Euh, C'était le cas pour moi quand je l'ai visité aussi pour la première fois. C'est quand la première fois pour toi 2015. En fait, Festival d'Avignon, pour moi, devenait un peu un lieu mythique, euh, genre euh, Elsinore, un peu euh, comme un, un, un lieu euh, qu'on sait qui existe, mais on. on on va visiter un jour. Euh, la saison théâtrale au Portugal elle termine tard. Alors souvent j'étais soit en tournée internationale, soit euh, avec des spectacles au Portugal et je me disais toujours un jour j'irai au Festival d'Avignon, j'irai au Festival d'Avignon, etc. Je jouais déjà souvent en France et je me disais toujours il faut que j'aille au Festival d'Avignon. Et euh, heureusement un jour Agnès Trolly, programmatrice du Festival d'Avignon euh, pendant les derniers dix ans jusqu'à jusqu'à 2022. Euh, euh, est venue à Lisbonne, elle est vue en, en de mes spectacles, et, et après quelques semaines, elle a invité le spectacle à Avignon. Et, euh, et je vous dis, euh, j'étais très content de présenter un de mes spectacles à Avignon, mais aussi parce que j'irai gratuitement découvrir le festival d'Avignon comme spectateur. Et ça m'a touché énormément. L'idée de, déjà parce que je travaille en théâtre et, et j'aime le théâtre, d'arriver à Avignon et de voir cette utopie euh, traduite en quelque chose de palpable que C'est le théâtre au centre de la vie des gens, même si c'est éphémère, même si c'est une parenthèse enchantée, que ça dure en moins, que, mais pendant un mois, c'est au centre de la vie des gens. Et on se dit toujours, quand on est artiste, on se, euh, si on est vraiment sincère, on sait bien qu'on dou doute toujours de l'utilité de ce qu'on fait. Euh, et c'est cette doute aussi qui nous nourrit, je pense. Euh, D'ailleurs, en des grands livres, et je pense que pour, euh, parce qu'on parle d'éducation artistique et culturelle, en des grands livres, L'utilité de l'inutile, d'un grand euh, philosophe et essayiste italien, euh, c'est en, encore en hein, des livres phares pour moi, très simples, très accessible, mais en des livres phares pour moi de pourquoi on, on, on se met euh, à faire euh, quelque chose aussi subjectif comme art et pourquoi on est tellement proche de l'éducation. Quand on le fait, et, et, et cette, cette dimension du festival, je pense qu'elle transforme. Arriver au festival, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, mais cette espèce de fièvre de festival, de fête partout, de courses, de c'est un peu parfois vertigineux, brouillant trop parfois, mais c'est fatigant, mais c'est comme une fête. C'est une fête, d'ailleurs fête festival, fête estivale, c'est une fête d'été, c'est une fête. Et on s'épuise, hein, mais on s'épuise dans la fête, c'est une fête au, au, au café, c'est lumineux, c'est solaire, il faut le vivre jusqu'au bout, et après on, on dort en août. Et, et, euh, et pour moi, je pense que juste arriver et le vivre une fois, ça peut transformer notre rapport au théâtre. Toutes ces questions de le théâtre, c'est pas pour moi, c'est ennuyant et, et c'est vrai. Et souvent c'est ennuyant le théâtre, euh, euh, mais, mais, mais c'est pour n'importe qui euh, li, la possibilité d'y aller, de, de, de côtoyer quelqu'un qu'on connaît pas pour voir une pièce qu'on sait pas encore si ça va être bien ou, ou, ou mal, si on va aimer ou pas aimer, si aimer ou pas aimer le grand enjeu de cette expérience ou pas. Mais juste le vivre en fait. Comme au Festival d'Avignon, ça peut transformer notre envie de se rattacher au théâtre et d'habiter autrement les théâtres. Parce que quand on les habite, on comprend très rapidement qu'ils nous appartiennent, qu'ils sont publics, qu'ils sont un lieu de découverte, de plaisir, de fête, de transformation. Justement, en tant que directeur du Festival d'Avignon, est-ce qu'il y a des actions, puisque tu prends une responsabilité importante, politique euh, Moi, j'ai toujours considéré que le Festival d'Avignon était. Euh, un très haut lieu de la politique culturelle et, et même un, un fleuron de cette politique et une expression sincère que quelquefois nos politiques oublient. Euh, mais c'est aussi la nation qui s'adresse à la nation à travers le festival. Est-ce que pour toi, euh, il y a des actions que tu as souhaité mettre en place en termes d'éducation artistique et culturelle pour favoriser encore les entrées des choses que, dont, tu, dont, tu, dont tu es porteur, dont tu es militant par rapport à ça Déjà, j'hérite des années de travail absolument formidables et j'essaie de rajouter quelques idées, de les interpréter, de les actualiser. Moi, en arrivant au Festival d'Avignon, j'ai toujours dit que... Ce n'est pas les idées, le projet. J'ai du mal quand les gens parfois me demandaient c'est quoi ton projet. Mais Le projet est le festival d'Avignon. Quand on arrive à un festival comme Avignon avec euh, trois quarts de siècle d'histoire, euh, le projet, il est là. Le projet, il a été inventé par son histoire, il a été déclaré par son fondateur et il est interprété comme une partition, comme un texte constitutionnel, par chaque direction, par chaque équipe et par le temps, le public, les artistes de chaque temps. L'interprète aussi, et parfois avec beaucoup plus de résultats et, et, et d'une façon beaucoup plus visible que les directions. Euh, euh, voilà. Moi, je pense que la partition du Festival d'Avignon nous propose quelque chose qui, déjà, le, le mariage improbable, mais très heureux entre exigence et l'accès le plus démocratique possible à cette exigence, à cette disons, complexité, qu'on pourrait encapsuler euh, dans un, en une idée, euh, voilà, une grande idée, mais sincère, de rendre facile l'accès à ce qui est complexe. Et je pense que ça, aujourd'hui, parle d'exigence artistique, de qualité artistique, mais parle aussi du besoin que nous avons en société d'avoir des discours complexes et de la possibilité d'accéder facilement à ces discours complexes qui nous disent que ce n'est pas nous et les autres les civilisés et les sauvages, les bons et les mauvais, mais des discours nuancés, complexes, qui acceptent que les phénomènes politiques, sociaux, économiques, culturels sont complexes, doivent être déchiffrés. Et je pense que le Festival d'Avignon propose cette complexité, cette dose de mystère. Qui a toujours dans l'art. Si on pourrait expliquer complètement la Gioconde ou, ou, ou Guernica de Picasso, euh, voilà, bon, il, ça ne serait plus euh, d'aucune valeur. C'est le fait qu'on n'arrive pas à tout expliquer qui nous, qui nous fascine encore. Um, et, et en même temps, comment rendre facile, créer des passerelles d'accès faciles à cette complexité, ce qu'on pourrait appeler la démocratisation culturelle. Uh, um, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus urgent peut-être qu'en 1947 à pratiquer Pourquoi et à mettre en place. Pourquoi plus urgent aujourd'hui Parce que la société est beaucoup plus fragmentée. Euh, bien sûr, la société de 1947, euh, post-Deuxième Guerre mondiale, était une société divisée, mais la, la division d'aujourd'hui est une fragmentation. Euh, et parce qu'aujourd'hui, les points de vue sont très, très polarisés sur l'organisation sociale, euh, parce qu'il y a des vraies menaces à la démocratie, et surtout parce qu'en post-pandémie, en 2023 2024 l'idée d'être ensemble dans un même espace a une valeur politique. Euh, beaucoup plus fort, par exemple, qu'en 1947, car aujourd'hui, tout nous dit reste chez toi, sur ton canapé, tout viendra chez toi. Tu fais un clic, tu as t'as même de l'art, tu information, euh, tu alimentation générale, tu as du vin, as des. Voilà, tout vient à toi. Si tu bouges pas, c'est que tu as de la valeur en tant que consommateur. Et, et nous, on défend que si tu bouges, tu as de la valeur en tant que citoyen. Et cette idée de pouvoir encore être ensemble, elle est extrêmement importante, je trouve, pour les arts vivants et pour le Festival d'Avignon, un lieu de rassemblement, un lieu de fête, de fête autour de l'art, mais qui n'est pas une fête aveugle au trouble du monde. Et dans ce sens-là, je pense que la dimension EAC, éducation artistique et culturelle, elle correspond aussi à un positionnement qui est bien sûr artistique, mais aussi politique. Du festival d'Avignon parce qu'il a cette dimension politique et ce rapport à la société qui fait part de son histoire. Euh, alors la partition dont je l'interprète, bien sûr, nous avons beaucoup de travail pendant le festival euh, et nous avons beaucoup de travail pendant l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus invisible. Mais le festival d'Avignon, le D apostrophe, il, il signifie vraiment qu'on appartient à Avignon et à un territoire. On appartient au monde en juillet et on appartient au territoire toute l'année. Ça veut dire nous, dans notre lieu de euh, résidence artistique et lieu de vie qui est la Fabrica, dans le quartier Ouest, extra d'Avignon, dans un quartier prioritaire de la ville, et ça, c'est très important pour nous. Menons des actions euh, d'éducation artistique et culturelle qui touchent à peu près 7 000 personnes pendant l'année, dont plus de 4 000 étudiants. Euh, et, et surtout euh, avec l'accès à des spectacles, mais surtout l'accès à des pratiques artistiques, avec plein de partenaires du champ social, du champ de l'éducation nationale, euh, du champ artistique, et surtout la pratique artistique pendant l'année. Parce qu'on sait que. Pendant le festival, la densité de spectacles à voir, la densité de par parcours, de rencontres à faire ne nous permet pas à nous, Festival d'Avignon, d'avoir la tendresse, la délicatesse, la proximité qui exigent l'accompagnement de pratiques culturelles. Nous sommes aussi, bien sûr, pendant l'année, les partenaires d'options théâtre, de deux de spécialités théâtre de deux lycées, Théodore Obanel et Mistral, et aussi de, de l'option théâtre du collège Ansel Mathieu, et nous travaillons beaucoup avec des établissements scolaires, mais pendant le festival, c'est le rencontre avec les spectacles. C'est les parcours avec les spectacles, un peu ce qu'on a témoigné. Beaucoup de travail avec les Séméens, qui sont, disons, en des bras armés de l'éducation artistique et culturelle aussi du festival, et surtout de la logistique de ce travail que nous faisons, parce que tous les logements de beaucoup de, de milliers de jeunes pendant le festival sont organisés entre le festival et les Séméens. Euh, il y a les parcours de spectacle, il y a la médiation euh, et les ateliers qui sont faits d'observations, de discussions, de forums, d'école, de du regard, disons, sur ces spectacles. Après, il y a beaucoup de travail d'éducation aux médias et à la communication dédiée au spectacle et à la culture. Et là, on, on, voit, on voit vraiment un chantier de travail très intéressant euh, parce que quand on a nos groupes de Web TV ou de Web Radio ou Making Waves avec des ateliers de radio et des reportages des jeunes qui font des reportages pendant le festival ou de jeunes journalistes de culture avec l'accompagnement de partenaires médias comme les Enroc, RFI, France Télé, etc., nous faisons un travail avec les jeunes où ils sont intégrés dans des dispositifs où ils ont une éducation à la communication, au journalisme, euh, au récit, sur le parcours des spectacles qu'ils sont en train de faire. Et cela immédiatement produit ce troisième pilier, je pense, qui est d'aider euh, à construire une espèce d'image, de, de, de paysage culturel. Euh, Différents, plus riches euh, pour chaque de ces participants, pour chaque de ces jeunes qui, 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 qui font partie de ces dispositifs. Parce qu'ils inventent leur propre récit de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et ce propre récit, il est très riche pour nous aussi, parce qu'il nous donne une espèce de bilan subjectif, bien sûr, mais très riche d'une expérience que, à la fin, on pourrait dire, 3 jours et demi de parcours par chaque, en moyenne par chaque jeune, avec au moins 7 heures d'atelier et au moins 5 heures d'accompagnement pour le débat. OK, ces chiffres, elles sont très intéressantes quand on a la capacité de les déchiffrer, de comprendre si c'était bien fait ou pas, mais la Dimension subjective qu'il y a dans ce vidéo, par exemple, qui est un récit d'une voyage à Avignon, elle est beaucoup plus euh, descriptif du plaisir, de la capacité de transformation, de toutes ces choses difficiles à mesurer qui sont le cœur d'activité de l'éducation euh, artistique et culturelle, à mon avis. Petite question de, de, de comparaison, parce qu'on aime bien aussi les comparaisons en France, tu, tu as dirigé un. Hein, un grand théâtre, le plus grand à Lisbonne, euh, quand on a dirigé ce grand théâtre pendant tant d'années, euh, qu'est-ce qui vous motive à postuler à Avignon Parce que en fait, ton expérience d'Avignon est récente, 2015, et, euh, et -ce on, comment on voit la France du coup quand on arrive en tant que directeur du Festival d'Avignon après avoir dirigé si longtemps un théâtre à Lisbonne par le biais justement du regard de l'artiste, du regard du directeur du festival qui se confronte à nos institutions ne sont pas tout à fait les mêmes, j'imagine. Euh, et, et comment est-ce qu'on... Je vois que ça te fait sourire, cette question. C'est la question piège de la soirée. Ah ben oui. Alors, parle de la France, petit portugais. Euh... Ah non, 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 non. je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non. C'est... Non, non, je déjà... le passe Par le biais de l'art, hein, c'est-à-dire.. Non, non, mais c'est très intéressant. Moi, j'ai un rapport... Euh... Alors... Je, je vous parle très informellement. Là, on rentre dans un chapitre où évidemment, je, je ferai attention à parler en tant que directeur du Festival d'Avignon parce que ça me responsabilise, mais en même temps, euh, vous me donnez une marge d'erreur euh, parce que c'est pas ma langue maternelle. Euh, alors, je peux toujours, je peux encore jouer cette carte. Euh, ça fait un an et demi que j'habite en France. Je peux encore dire, euh, ah non, c'était pas ça que je voulais dire. Si je suis cité. Euh, euh, d'une façon très controverse dans les journaux, je peux toujours dire non, 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 je vais vous écrire le contraire, c'est juste <laughs> la langue. Mais vous, vous me donnez une marge d'erreur de l'expérience personnelle, parce qu'elle compte beaucoup pour moi, dans, ce, dans la réponse à pourquoi postuler au Festival d'Avignon et pourquoi émigrer en France. Moi, j'ai beaucoup travaillé euh, depuis... Euh, 98, quand j'ai commencé à travailler à 21 ans en théâtre, j'ai beaucoup tra travaillé à l'international et j'ai toujours décidé de ne pas émigrer. Alors, je voyageais beaucoup, mais je retournais toujours à Lisbonne. Euh, après, c'est vrai que j'ai dirigé euh, le théâtre national de, de Lisbonne euh, pendant cette saison et, euh, et c'était une des grandes aventures professionnelles, artistiques de, de ma vie, parce que euh, c'est en... Un des plus grandes institutions culturelles de, de mon pays, et, euh, et, et, et j'étais invité à opérer aussi un renouvellement dans cette institution que je savais irriguer, influencer euh, la scène portugaise et la culture portugaise d'une façon qui pourrait être cruciale ou décisive. Et, et alors c'était c'était un, un grand projet. Euh, euh, mon rapport à la France, il, il est aussi euh, euh, familial, généalogique. Euh, j'ai commencé à travailler en France très tôt, en 2000-2001, en tant que comédien. Et j'ai beaucoup tourné en France, même si je revenais toujours au Portugal. C'est le pays où j'ai joué le plus mes spectacles, mes créations, hors le Portugal. Et je pourrais dire peut-être aujourd'hui, si on ferait la quantité de représentation de mon travail depuis le début de mon parcours, je ne suis pas sûr si je n'ai pas joué plus mes pièces en France qu'au Portugal. Certainement, elles sont toutes publiées en France, ce qui n'est pas le cas au Portugal, euh, par exemple. Euh, alors j'ai un rapport fort professionnel avec la France, mais aussi familial. Euh, une bonne partie de ma famille, euh, mes disons, ancêtres, euh, mes oncles, mes, mes, euh, ils ont émigré en France euh, pendant la dictature, pendant les années 50 et 60. Mon père, il était exilé en France pour échapper à euh, la dictature, la police politique et la guerre coloniale euh, pendant les années 60 et jusqu'à la Révolution. Euh, euh, chez moi, il y avait des livres en français. Euh, voilà. J'ai donné l'exemple de Flaubert et de Bovary parce que, voilà. C'était à portée de main. Alors, la France, pour moi, même si je ne connaissais pas trop pendant mon enfance et ma jeunesse, avait une valeur euh, aussi historiquement pour le Portugal, pendant une dictature qui est la plus longue d'extrême droite ou d'inspiration fasciste ou fasciste pendant le XXe siècle en, en, euh, en Europe. C'était 48 ans. Euh, la démocratie la plus proche était la France. Euh, Ibsen. Il rentre au Portugal pour la première fois, traduit du français. Brecht interdit en cachette, traduit du français. Euh, beaucoup de la littérature, pas seulement française, mais mondiale, qui rentrait en cachette ou pas au Portugal, venait de la France et de ce lien culturel très fort. Euh, alors quand, euh, quand le gouvernement français t'appelle et te demande serais-tu intéressé à postuler au festival d'avignon? Euh, disons que, en termes intimes pour moi, c'est un tremblement de terre. l'idée que dans l'europe où on vit, une europe pleine de crises, contradictions, d'erreurs, d'injustices, mais l'idée que dans cette europe là, le fils du mec, il s'est exilé pour échapper à la dictature, qui était accueillie à Paris, qui a vécu des difficultés pour survivre à Paris, euh, mais qui était libre. Que le fils, immédiatement, le prochain, il est invité pour diriger le festival d'Avignon, ou qu'au moins il y a un gouvernement qui lui dit est-ce que tu veux essayer de postuler Mais euh, généalogiquement, j'étais programmé pour dire oui. Euh, j'étais obligé, ça, ça serait une... Je... Alors, je ne peux pas te dire que euh, j'étais... Il... C'est bête de le dire comme ça, et c'est pour ça que je, je vous demande de me donner le, le parenthèse personnelle. mais je me sentais en dette. Il y a une dette, au moins de ma famille, vers la France. Moi, je me suis dit, en plus, ils vont me payer le salaire, si jamais ils me choisissent pour diriger le festival d'Avignon. Après, j'ai découvert le salaire, il ne faut pas rire. Hein. Euh, mais, mais de toute façon, ils vont en plus me payer pour que je paye ma dette. Moi, j'ai décidé de postuler. Et j'ai postulé aussi à un festival sur le, pour lequel j'étais complètement amoureux depuis ma première visite, que j'ai pratiqué beaucoup. Euh, qui était très important pour moi parce que j'ai créé d'autres spectacles après ma première visite au festival avec le, lequel j'avais une espèce d'histoire d'amour euh, c'est en fait c'est quelqu'un qui te dit est-ce que vous voulez vous marier et moi bien sûr je suis amoureux euh, allons-y euh, et là j'ai postulé et euh, voilà, J'ai commencé à écrire ce petit texte euh, en printemps 2000, euh, 2021 euh, pour, pour effectivement postuler en pensant que juste l'exercice de postuler, c'était déjà très beau. Euh, quelle opportunité de pouvoir penser ce qui serait un jour diriger ce festival, mais tout en sachant aussi que l'opportunité de postuler à la direction du Festival d'Avignon n'arrive pas souvent et que ce serait quelque chose qui m'amènerait à un changement de vie, mais aussi parce que je viendrais... Travailler dans un pays, diriger déjà un festival que j'aime, un, un des plus importants festivals du monde dans n'importe quelle discipline. Le festival d'Avignon, euh, parfois ça échappe aux Français ou aux Avignonais. On va à Reykjavik ou à un village en Patagonie. S'il y a quelqu'un qui fait du théâtre, même du théâtre amateur, ils ont entendu parler du festival d'Avignon. Euh, moi, je suis reçu comme chef d'État. Moi, à 14 ans, j'ai entendu Georges, le, le professeur de sociologie, me parler du festival d'Avignon. Euh, alors, c'est pas en plus euh, désolé, mais ça n'appartient seulement aux Français, ça nous appartient à tous les gens de théâtre dans le monde et les amants de théâtre, euh, les amateurs de théâtre partout dans le monde. Et cette, cette, cette possibilité, et en plus dans un pays où l'idée d'exception culturelle, euh, même si menacée, euh, où les 70 ans de décentralisation et de démocratisation culturelle euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des vraies politiques culturelles, des vraies institutions, en pacte de régime matriciel dans la démocratie, de défense de l'accès à la culture et aux arts. Euh, voilà, c'est quand même un privilège de pouvoir pratiquer euh, mon métier dans ce festival et dans ce système. Et encore une fois, je sais bien que le sport national en France, c'est de râler, mais et, et, et je suis d'accord, c'est peut-être comme ça que vous avez développé, ce que vous avez euh, réussi à développer dans le système culturel, euh, mais il ne faut pas non plus faire des illusions. Le système culturel français comparé avec pas seulement le portugais, même le norvégien, norvégien ou la plupart des pays où moi j'ai pu travailler il est absolument exceptionnel avec des choses à résoudre des problèmes mais c'est des choses à résoudre et des problèmes qui sont originés par le fait que c'est déjà un système très très fort qui irrigue tout un pays euh, qui permet un travail de proximité qui permet un vrai travail d'éducation artistique et culturelle euh, soit formelle soit spontanée euh, qui, qui permet un tas de choses que par exemple moi même à la tête du, du, plus grand du, du plus important théâtre de mon pays, n'arrivait pas à produire ou à savoir que j'allais vivre dans le temps de ma vie dans mon propre pays euh, et, et alors euh, voilà c'est aussi l'opportunité de faire partie d'un système culturel, théâtral, artistique qui est extrêmement fort, extrêmement divers, extrêmement accueillant parce que quand les gens me demandent, voilà, c'est quoi ce regard un peu euh, à la lettre persenne de, de, de voilà, de, de l'extérieur. En fait, je pense que le fait qu'il y a un Portugais qui dirige le Festival d'Avignon parle moins de moi que de la société française ou d'une partie de la société française, d'une idée de démocratie, de république, mais aussi de, du code génétique et de l'histoire du Festival d'Avignon que de moi-même. Je regrette pas d'avoir posé la question, Piège. Hein. Franchement, euh, je pense que c'est une magnifique réponse aussi parce qu'elle nous met en lien avec, euh, avec cette tradition dans laquelle tu t'inscris. Moi, je me souviens toujours que quand on lit Jean Villard et ce pourquoi il décide d'installer le festival d'Avignon à Avignon, de l'installer pendant une période estivale, de l'installer dans un, un après-guerre aussi. C'est important de se rappeler le moment où ça s'installe. Il tient à dire quelque chose qu'on oublie toujours. On parle toujours de, du rassemblement des publics, du fait de montrer du théâtre l'été. Th non, non. Il dit, je tiens à montrer des textes de théâtre pour avoir une réflexion politique politique sur le monde en cours et donc permettre aux spectateurs qui viennent de réfléchir grâce aux, te aux textes de théâtre au, au monde qui est le sien. Et je pense que le témoignage que tu viens d'apporter, il, il va exactement dans cette, dans cette lignée, dans ce projet. Et je dois dire aussi que moi qui ai eu la chance, parce que j'estime que c'est un honneur, une chance d'avoir lu tous les projets de ceux qui ont postulé, il y a eu 12 postulants pour le Festival d'Avignon, tu es le seul à citer Jean Villard. C'est une chose des Portugais. <laughs> je rigole, je rigole. Je <laughs> ah, Villar, il est très important pour le théâtre portugais. C'est une, une grosse influence, même s'il n'a jamais euh, joué au Portugal. Euh, mais c est, c est, je pense que c'est aussi une façon de, de se positionner vis-à-vis -vis cette idée de partition. Cette idée de que Villard, par ce qu'il a écrit, dit, par le théâtre qu'il a fait, qui était presque une traduction esthétique d'une idée de théâtre populaire, mais par sa pratique en tant que directeur, avec ses grandes réussites et ses grands échecs, ses déceptions et ses grands enthousiasmes, c'est quelqu'un qui a, disons, écrit la constitution du festival. Après, il faut l'interpréter, il faut continuer à la traduire. Moi, je trouve par exemple que toute cette idée d'utopie du théâtre populaire, qui est une idée d'invitation, comment inviter, comment ouvrir les portes, comment faire venir, aujourd'hui, on ne peut pas la penser sans l'aller-retour. Qu'est-ce que ça veut dire sans y aller là Je pense qu'aujourd'hui, l'idée de territoire pas suffisamment desservi de propositions culturelles ou artistiques de qualité, de territoires qui ont le ressenti d'abandon, par exemple, fait que euh, nous ne pouvons pas vraiment faire un vrai travail de, de, de démocratisation culturelle, voire même de démocratie culturelle. Si on ne va pas non plus nous frapper aux portes, ça ne suffit plus de dire que nos portes sont grandes ouvertes à toutes et tous. Il faut aller frapper aux portes. Et surtout, c'est très intéressant pour nous, avec le Festival d'Avignon, d'aller frapper à des portes très petites où on se dirait que les grands épaules du Festival d'Avignon ne, ne passeraient pas. Euh, raison pour laquelle nous, 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 nous faisons, euh, et, et là c'est une invention d'Olivier Py, le spectacle itinérant, que maintenant nous transformons en production déléguée. Et chaque année, le Festival d'Avignon, sa production déléguée, le, le spectacle euh, que le Festival risque de produire et d'inviter un artiste à imaginer et que nous produisons en entier, c'est un spectacle itinérant, une miniature par un grand artiste, C'est l'équivalent en théâtre aux au classiques de poche. Voilà euh, classique contemporain de poche. C'est des spectacles que nous savons qui sont d'une grande qualité, mais qu'on veut jouer dans des salles de classe, dans des chapelles, dans des, euh, dans des gymnases, là, voilà, dans, 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 dans les salons de fête, là où on se dirait: le festival d'Avignon n'y vient pas. Et, et on le fait pendant le festival, dans des communes autour du Festival d'Avignon, parfois des communes rurales éloignées, mais aussi dans les quartiers extramuros, dans les centres sociaux, dans, les, dans, les, dans, dans des gymnases. Et on le fait toute l'année maintenant. On reprend en septembre et on continue à le faire en région. Et cette dimension, par exemple, du projet, de la pratique d'aujourd'hui du Festival d'Avignon, vient de Villars. Même si Villars a fait. La concentration dans ce monument euh, qui était le palais des papes de cette histoire de proximité. Mais aujourd'hui, cette proximité nous exige la visite aussi à nous, euh, parce que cette visite a une dimension politique, politique de légitimer un territoire, de légitimer une population et de, de l'inviter en pratiquant là-bas, l'inviter à venir chez nous parce que nous, on les a déjà visités. Et cette dimension, elle est humaine. On voit comment le public de Barbentane se sent attaché au festival parce que le festival s'est implanté à Barbentane pour créer un spectacle. Barbantane, Bar euh, il faut dire où c'est peut-être. Barbantane, c'est juste à côté d'Avignon, à 15 km d'Avignon, et c'est là où la montagnette a brûlé en 2021, les grands incendies euh, au, à, à côté d'Avignon, pendant le festival d'ailleurs. Euh, la, la commune la plus affectée, c'était Barbantane, et, et Barbantane n'avait jamais reçu un spectacle du festival l'année dernière. Parce qu'il y, y a eu un geste de, euh, en arrivant pour prendre le poste, j'ai écrit au maire de Barbantane pour dire à quel point on était solidaire et qu'on aimerait bien s'il y avait quelque chose qu'on pourrait faire. Et évidemment, il a dit Mais faites quelque chose ici, ça, ça ferait plaisir à la population. On a commencé à discuter, on s'est visité, on a fini par faire le spectacle itinérant, mais aussi une création dans la montagnette créée par Clara Edouin que Majoa Demer, que c'était un des grands succès de cette dernière édition du festival et qui visitait euh, des espaces de la montagnette qui euh, récupéraient le lien aussi de cette population et de notre public avec ce territoire-là et que le valorisaient, qui utilisait le théâtre aussi pour dire on est là parce que vous êtes important et ce lieu-là euh, qui vous est cher nous est cher aussi et ça a transformé notre rapport avec la population de Barbantane, avec une commune et une commune à la, fin, à la fois euh, on élargit là à nos côtés avec nos voisins euh, notre proximité, notre complicité. Parce qu'évidemment, c'est très important euh, d'être fier euh, du fait qu'il y a des gens de partout dans le monde qui viennent au Festival d'Avignon et que beaucoup de ces gens viennent pour la première fois et que partout dans le monde, euh, les gens ressentent l'envie de découvrir pour la première fois ce festival. Mais il y a quelque chose qui s'opère de très problématique si on n'est pas capable de euh, permettre. La proximité de quelqu'un qui habite à 300 mètres ou à 3 km euh, avec ce festival, euh, alors que le festival les appartient même géographiquement. Euh, et ce travail-là, c'est un travail de euh, surmonter euh, l'injuste perception d'élitisme. Par exemple, du festival. Euh, je, 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 souvent, j'échappe ce mot-là parce que c'est un mot qui, qui propose euh, une, une série d'injustices et de malentendus. Mais je la répète là, juste précisément pour dire ça, que c'est un mot qu'il faut penser dix fois avant d'utiliser parce qu'elle se colle à la culture d'une façon complètement injuste parce que quand on parle d'élitisme par exemple si on parle des prix des billets euh, je, vous, je vous propose alors d'aller au Vélodrome voir OM et euh, ce grand spectacle euh, populaire et démocratique qui est le foot et de me dire le prix que vous payez ou alors euh, même les Jeux Olympiques voilà Ça, gaffe euh, politiquement incorrect de la soirée voilà <laughs> non non mais c'est vrai c'est vrai parce que parce que je comprends que les choses ont une valeur et un prix, et il y a un marché. Euh, mais quand on fait du service public, on ne peut pas s'empêcher de euh, rappeler les gens que, en spectacle, si on a moins de 26 ans, même sans groupe organisé, sans école, moins de 26 ans au Festival d'Avignon, dans n'importe quel lieu, on paye 10 euros. 10 euros. Ces prix-là, on ne les retrouve pas en Europe, nulle part. Nulle part en Europe. Je ne parle pas de la France, je parle en Europe, on ne le retrouve pas. Là, il y a un geste démocratique que, je vous avoue, par exemple, en termes financiers, pour le modèle économique du Festival d'Avignon, est une bataille quotidienne. Il y a 700 salariés du Festival d'Avignon qui se battent et qui font face parfois à des précarités de travail pour qu'on puisse maintenir ce tarifaire-là, parce que l'inflation nous permettrait très facilement de monter à 30, 40 euros et ça serait plein. Il y a de la demande. Alors, si on jouait le jeu du marché, la demande nous dirait qu'on peut faire plein d'argent, mais on fait du service public, même si on est en association. On croit à cette mission de service public du festival et on croit aussi que la démocratisation d'accès à ces créations-là passe aussi par surmonter les freins économiques, après aussi les psychologiques sentir euh, qu'on peut rentrer que ça nous appartient que euh, euh, qu'on qu a tous les codes ou que avoir les codes n'est pas essentiel pour vivre une expérience. C'était très beau on a fait un rencontre euh, je ne sais pas sûr euh, si tu si étais là euh, ce jour Emmanuel euh, à ce moment là on a fait un rencontre entre les groupes de première fois qui a été au festival. On a eu 5000 premières fois organisées, dont 2800, qui ont fait des, des, des travaux de médiation euh, et qui ont fait des parcours accompagnés par notre équipe de médiation. Et on a fait un rencontre avec des, des premières fois au Café des Idées, euh, qui est le, le cœur battant de débats, pensées du festival. Et on a invité euh, l'association des Amis du Théâtre. Du, du festival, et aussi euh, le groupe Miroir, qui sont deux associations de spectateurs historiques du festival. Et soudain, il y avait, à un moment donné, euh, une fille très courageuse, je dois dire, euh, euh, qui a dit, euh, moi, j'ai vu ce spectacle, et j'ai rien compris, j'étais un peu dérangé, parce que c'était... Euh, difficile à accéder. Moi, je voyais là dans la vidéo que vous avez le moins vu le moins de noir de Nikov, C'est aussi un spectacle exigeant qui pose des questions de interprétation, etc. Avec voilà une langage esthétique quand même voilà exigeante pour le public. Et cette jeune fille, elle disait voilà c'était ok, mais j'aurais préféré tout comprendre. Et soudain, il y a Michel qui dit ah, ma première fois au festival d'Avignon qui appartient au, au, à l'association de, des amis du festival et, et aussi au groupe miroir elle est dans les deux euh, et qui dit ma première fois au festival d'Avignon était en euh, 67 je pense euh, quand euh, Béjart a joué euh, à la cour et euh, voilà j'avais jamais vu danse moderne j'ai rien compris j'ai euh, j'étais vraiment frustré et j'ai eu la sensation que ce n'était pas pour moi, que ce n'était pas de la vraie danse. Euh, et euh, le temps a passé, et euh, c'est un de mes plus beaux souvenirs du festival. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, 50 ans après, je le garde encore comme une grande découverte. Et là ça raconte quelque chose du festival qui est très important de, de deux dimensions que je trouve importantes et très proches euh, de l'idée d'éducation artistique et culturelle déjà que on est pourquoi, pourquoi on doit s'éduquer parce que c'est pas acquis il faut vivre une expérience, il faut discuter, il faut ne pas comprendre pour après se poser la question de la compréhension, comment comprendre, comprendre mieux, pas complètement, etc. Mais il faut une expérience, il, il faut un travail pour y accéder et accéder mieux plus tard parce qu'on a fait ce travail-là. Mais surtout, ça parle du festival comme un lieu de transmission, un lieu où le passage du temps transforme. Notre rapport avec les œuvres et où le récit des spectateurs qui étaient là transforme notre relation à nous qui arrivons maintenant avec ce festival. Et cette idée de transmission, elle est très importante. Et aussi, associée à ça, le fait que c'est un festival qui est en train d'inventer le patrimoine de l'avenir. Aujourd'hui, Béjar est un monument. Quand Villard a eu le courage de l'inviter à venir comme il a eu le courage d'inviter Lavelli qui vient de décéder malheureusement euh, et, 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 et qui était un jeune Argentin euh, voilà qui était en France et qui faisait un travail un peu euh, voilà risqué contemporain on dirait aujourd'hui euh, quand il a invité, invité Godard euh, en 67 euh, complètement prophétique voilà quand, quand il fait ses invitations il est sur une nouvelle perspective ou une, une évolution du festival où le festival devient un levier pour l'avenir. C'est effectivement un festival qui a un lien avec la société de son temps, avec le répertoire et l'histoire de l'art, du théâtre, de la, la littérature et, et, et de la société. Mais c'est aussi un levier pour l'avenir et il commence à affirmer quelque chose que je pense qui est très présent encore aujourd'hui au festival, qui est l'idée qu'on est en train d'inventer... Le patrimoine de l'avenir. On recherche à inventer le patrimoine de l'avenir. Ce n'est pas toujours acquis. Mais cette incompréhension, ce, ce choc parfois de je sais pas si c'est vraiment. Quand il y a quelqu'un qui me dit je suis pas sûr que c'est du théâtre. Ah, ce n'est pas du théâtre. Non, ça, ce n'est plus du théâtre. Je suis presque sûr qu'on est en train de trouver quelque chose de très spécial. Euh, parce que s'il y, euh, y a une vraie qualité et cette dimension de questionner le genre, la discipline, l'art c'est qu'on est en train d'inventer quelque chose et je pense que Lavillard a fait ça en invitant Béjart et en ennuyant un peu ou frustrant un peu Michel qui aujourd'hui est amoureuse de Béjart et de cette mémoire, il a inventé du patrimoine C'est magnifique hein et, et à Guingamp il est 21h20 et à 21h20 c'est l'heure où traditionnellement dans ce théâtre on propose aussi au public de poser quelques questions ah, Très bien vous le saviez, j'espère. Je suis très attaché aux horaires très précis. Donc, euh, euh, Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Madame, je vous en prie. Je ne sais pas si on peut vous. Que vous allez mettre en scène une pièce Oui. <laughs> un petit peu. Je vais. Euh écrire une, et mettre en scène une pièce, mais à partir euh, d'une tragédie d'Euripide et Cube. Euh, il y aura pas mal d'Euripide dedans, mais comme souvent chez moi, dans d'autres pièces que j'ai faites, il y a une écriture euh, à partir d'eux ou à côté. Alors cela, ça, cela, ça sera Euripide mélangé avec ma propre écriture. Et, euh, et ça sera... Euh, Texte et mise en scène après de répits, des cubes et avec la comédie française qui retourne au Festival d'Avignon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être quand vous posez la question, vous vous dites à Thiago qui vous êtes. Vous vous étiez qui, madame Spectatrice. Spectatrice, vous vous appelez comment Suzanne Latour. Bonjour, Suzanne Latour. <laughs> c'est génial de s'appeler avec des noms et des prénoms quand même, on se fait connaissance. Stéphane Grosclaude, je suis étudiant à l'INSEAC. Euh, ma question, elle porte sur euh, ce que vous décrivez des récits d'expérience de spectateurs. En quoi ça modifie votre programmation artistique En quoi ça la transforme ou pas En quoi vous, en un an et demi, vous avez changé votre manière de programmer au Festival d'Avignon Et peut-être quelques scoops sur la programmation en 2024 Je viens d'annoncer en spectacle. Euh, C'est très difficile à, à, à quantifier ou à très bien euh, concrétiser à quel point le retour, par exemple, de jeunes qui participent à des actions d'éducation de artistique et culturelle ou du public en général, euh, influencie la programmation parce qu'il y a tout un processus. Je suis sûr... Qu'il y a une influence. Je suis sûr que la dame qui m'a dit, quand j'ai pris le poste, qu'il n'y avait pas suffisamment de tragédies grecques au festival, elle ne m'a pas fait penser à mettre en scène Ecube. Mais je suis sûr que l'accumulation de débats, quand je vais au marché, parce que. Quand on connaît le Festival d'Avignon, on sait bien que qu'au festival, tout le monde a une opinion. Alors, vous imaginez que moi qui roule soit en vélo, soit à pied pendant tout le mois de juillet à Avignon, j'entends plein d'opinions, euh, tout le mois, tous les jours, plein d'opinions. Un jour, euh, pendant deux, trois jours, on n'a pas eu des, les trompettes, « pin-pin-pin, pin-pin-pin » pin, pin, de Jarre, euh, on ne les a pas eues à la demande d'une artiste. Euh, au début du spectacle, pendant trois jours. Je vous passe les cris. C'est plus le festival, il n'y a pas les trompettes. Je passais un vélo, j'entendais je, moitié. Le festival C'était un peu comme ça. <laughs> Mais partout. Euh, et, et alors, il y a, ça c'est très beau, parce que le public d'Avignon, il est propriétaire du festival. C'est le public qui me donne les bienvenus. Ce n'est pas moi, en tant que directeur, qui donne les bienvenus au public. Le festival les appartient et c'est très beau de travailler dans une aventure artistique qui a cette caractéristique. On est vraiment au service. Être directeur du festival, c'est ranger la maison jusqu'à l'arrivée du propriétaire. Euh, et, et, et dans ce sens-là, je pense que toutes ces opinions, elles m'influencient. Mais c'est un process tellement collégial la programmation, la décision euh, des œuvres qu'on va présenter. On, on fait pas, c'est pas euh, euh, froid et mécanique. C'est des dialogues constants, quotidiens avec des artistes. Euh, parfois, l'artiste que je voudrais le plus avoir au festival, il n'est pas au festival parce que le projet il n'est pas prêt, parce que. Euh, l'artiste considère que le projet est prêt mais nous on comprend que c'est pas encore le moment ou c'est pas le bon, la bonne édition pour le présenter ou les équilibres sont pas tous trouvés ou on a trop de théâtre de texte, il nous, il, il, il nous manque une, quelque chose d'autre parce qu'on croit que le festival doit offrir une diversité, pluralité d'esthétiques et de disciplines au public qui permet un parcours très divers avec plus de, beaucoup de découvertes. Euh, et alors c'est un dialogue quotidien avec les artistes qui irrigue notre réflexion sur la programmation. Après il y a tous les questions euh, concrète, pragmatique de euh, les budgets, les conditions techniques. Le festival d'Avignon se fait en conditions techniques très particulières. Beaucoup de lieux à l'air libre. Il faut que les décors, la technique des spectacles soient adaptés. Euh, Monument où on ne peut pas accrocher, toucher les murs euh, et faire n'importe quoi. Euh, voilà, il y a énormément de choses. La mobilité qui aujourd'hui est, est une de nos obsessions. Comment va voyager l'équipe ou le décor euh, L'équipe australienne qui va, vient juste pour Avignon pour jouer. Ça, on le fait plus. Euh, S'il y a un, 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 un impact carbone qui correspond à la voyage de 10 personnes de l'autre côté du monde, il faut qu'il reste des mois en Europe et qu'il y ait une mutualisation de cet impact, pas seulement des coûts, mais de l'impact que ça vaut la peine. Alors, moi, je ne suis pas pour le circuit court en, en art, je suis pour le circuit court en nourriture, par exemple, tout le catering, nourriture, peau de première, etc., qu'on fait, convivialité qu au, au festival, c'est local et bio. Mais au niveau d'artistes, je crois encore au voyage. Mais ce voyage, il doit être le plus écologiquement responsable possible. Ça, c'est quelque chose qui compte aussi dans nos décisions. Alors, toutes ces circonstances, tous ces dialogues, tout le travail collégial qu'on fait avec deux directrices de programmation, avec euh, une direction euh, où je suis accompagné par Pierre Gendronneau, qui est là avec nous, mon cher Pierre, le directeur délégué du Festival d'Avignon, euh, toute l'équipe du festival qui nourrit aussi la pensée avec leur mémoire du rapport avec les artistes, des lieux, tout ça produit que, ok, je vais faire écube avec la Comédie-Française, peut-être la dame que j'ai croisée, croisée au hall il y a un an et demi et qui m'a dit plus de tragédie, elle fait partie de ce processus. Mais c'est très difficile de vous dire à quel point, par exemple, le retour qu'il me donne le jeune de Seine-Saint-Denis, qui voit le spectacle de Julie Deliquet à la cour d'honneur, qui voit euh, des questions de précarité sociale et pauvreté sur scène de la cour d'honneur. Euh, qui, euh, qui voit euh, des gens avec sa couleur de peau, de peau sur la cour d'honneur, sur la scène de la cour d'honneur, et qui me dit à la fin et qui nous écrit en disant, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit de me taire parce que je n'ai pas l'habitude d'aller au théâtre, je parlais un peu fort, et moi j'ai répondu à, à la personne, j'ai essayé d'être poli, mais j'ai dit, écoutez, vous voyez cette histoire, c'est mon histoire, alors ici je suis chez moi. Ces jeunes-là, là, ils m'influencent énormément, ils me font penser. Pas à propos de inviter de nouveau Julie Deliquet ou, ou pas qui, 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 qui pourrait être présent au Festival d'Avignon de nouveau avec toute légitimité parce que c'est une grande artiste française, mais il m'influence parce qu'il me fait penser à la question de la représentativité. Il me fait, il me fait penser par exemple que... On ne peut pas avoir l'ambition d'avoir la richesse de la diversité sociale dans la salle, dans le public, si on n'a pas la capacité de l'amener sur scène et surtout de permettre que cette richesse de diversité d'expérience est aussi dans le récit, que cette diversité est dans le récit, dans ceux qui racontent. Et alors, je pense que oui, il y a plein d'influences, notamment des participants en EAC, mais tout va dans le grand bouillon. Et après, il y a ma grand-mère qui cuisine, qui cuisine. Et des mois après, il y a une programmation qui émerge avec plein de critères, euh, mais pas des critères figés. On n'est pas obligé de remplir les mêmes pourcentages et cases tous les années. Il y aura toujours, chaque année, ça c'est quelque chose que j'ai appris et qui est très différent avec en théâtre. Euh, moi, j'ai dirigé en théâtre national une saison. Et dans un théâtre, euh, on, on est toujours entrant... De trouver des équilibres, mais il y a le prochain spectacle. Voilà, si ça se passe mal maintenant, il y a le prochain. Euh, au, en festival, tout se passe à ce moment-là. Alors on sait bien qu'en juillet, il y aura des énormément déçus. Des gens qui. Il y aura toujours quelqu'un qui est déçu. Moi, je crois que la grande, le grand travail qu'on doit faire, c'est chaque année de se voir des gens différents. <laughs> c'est une espèce de démocratisation de la déception. Parce que personne ne va toujours. Être entièrement heureux avec le festival, même pas moins. Alors l'idée, c'est de la raison de décevoir qu'elle change aussi. Qu'elle change parce que le festival évolue, il tourne une page, il se réinvente. Et ça, c'est la, la grande différence entre en théâtre et en festival, c'est qu'en festival, on joue tout. Pendant ces quelques jours de festival, et on, et, on, et on essaie que ça se passe le mieux possible, mais on sait bien qu'on ne va pas pouvoir, dans trois semaines, résoudre le problème. Tout se joue là, et on, a, on doit bien planifier, raison pour laquelle il y a plein d'équilibres, plein de questions qu'on discute, mais c'est aussi le fascinant, c'est là qu'il se fait la politique culturelle, c'est de dire, au-delà de la grande qualité d'un artiste, pourquoi le faire Pourquoi le faire cette année Pourquoi le faire cette année avec cette œuvre Pourquoi le faire cette année avec cette œuvre dans ce lieu Pourquoi le faire cette année avec cette œuvre dans ce lieu à cette heure-là Etc. Et c'est et et là qui, qui se joue notre contribution à, au collectif. J'espère que j'ai aurait... dit quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai dit quelque chose. Ouais. Allez, on va vous passer le micro. Vous n'oubliez pas, vous nous dites qui vous êtes. Euh, bonsoir. Euh, moi, j'avais une question, c'était à propos... Vous, vous dites qui vous êtes. Ah, je m'appelle Emma. C'est joli. Hein. Merci. Et une spectatrice, une amatrice de théâtre. Emma. Comme Bovary, Emma. Tout à fait. <laughs> Mais plus en forme. <laughs> euh, du coup, j'avais une question, c'était à propos d'une de vos pièces. C'était euh, Katharina ou l'art de tuer des fascistes est-ce que la fin de la pièce, euh, qu'est-ce que vous attendiez en fait comme réaction du public pour la fin de la pièce Est-ce que vous aviez anticipé euh, que ce serait aussi mouvementé ah, bah, bah, Parce qu'il y a pas mal de monde, je suis sûr, qui n'a pas vu la pièce, parce que c'est une pièce de théâtre, il y a, il y a tr toujours très peu de monde qui les voit. Euh, 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 dans cette pièce-là, je raconte l'histoire d'une famille, l'histoire complètement absurde et fictionnelle, d'une famille que chaque année. Euh, kidnappe une personne qu'il croit être un fasciste et assassine cette personne. Et un jour, euh, une des... Des jeunes filles de cette famille, elle va tuer pour la première fois, ça sera sa première fois, et elle a des doutes et elle se pose la question est-ce qu'on n'a pas tort de tuer Et ça fait que la famille implose, il y a énormément de discussions, elle trahit la tradition familiale, etc. C'est un peu le monde euh, de valeur à l'inverse pour se poser la question de euh, quelle est la place de la violence dans la politique, que je pense qu'il y a une question délicate. Problématique, mais importante de poser aujourd'hui, euh, mais aussi euh, pour parler de doute euh, et surtout de l'impuissance. Euh, comment peut-on en démocratie euh, répondre aux extrémismes, aux menaces, euh, aux mouvements antidémocratiques euh, C'est le paradoxe de la tolérance. Est-ce que le tolérant doit être tolérant envers les intolérants en risquant son échec et le, la fin de la tolérance Ou est-ce que le tolérant a le droit d'être intolérant envers les intolérants pour défendre la tolérance Voilà. Est-ce qu'on peut sortir du jeu démocratique pour combattre euh, les mouvements antidémocratiques et ainsi défendre la démocratie Ou pas du tout Il faut toujours jouer le jeu démocratique. Et la pièce veut questionner cela. Moi, je n'ai pas de réponse. Euh, J'ai une opinion, mais je n'ai pas une réponse finie parce que je n'ai pas de réponse pratique. Euh, voilà. J'ai mon opinion, mais je ne peux pas être sûr que c'est le bon chemin. Avec la, la fin de la pièce, finalement, il ne tue pas le fasciste. Ce qu'on se dit à peu près que la majorité du public serait d'accord, parce que c'est la jeune fille qui défend qu'il faut dialoguer et faire le jeu démocratique, et pas la violence. C'est ça qui va nous permettre de défendre la démocratie. Mais finalement, à cause de ça, ils, ils sont tous morts. Spoiler. Et, euh, et le fasciste survit et il fait un discours fasciste très très compliqué pendant une demi-heure sur scène. Et là, le public explose. Et là, on voit des gens qui, 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 qui se diraient normalement Non, jamais, je serai violent qui commencent à crier Tue le mec etc. Des gens qui jettent les choses sur scène. On a eu déjà des épisodes d'agression ou de menaces, etc., pendant le spectacle. Le public sort du deuxième degré et il part sur le premier degré, aussi parce que c'est un discours très actuel, mal, malheureusement, euh, et un discours que nous écoutons parfois en boucle dans la radio, etc., mais qu'on n'accepte pas qu'ici, entre guillemets, chez nous, au théâtre, peut être possible pendant une demi-heure. C'est là. C'est comme, comme le faire à la maison. c'est comme quelqu'un qui vient à la maison et m'insulte. Non, ici, c'est pas possible. Il y a un peu de tout ça. Moi, je n'ai pas, pas, pas fait un étude du public <laughs> vraiment rigoureux. Alors, je, je spécule un peu, mais on l'a joué plus de 100 fois et j'ai vu beaucoup de réactions. D'une façon générale, générale, le public réagit très mal. Il y a des gens qui partent. Il y a beaucoup de gens qui partent et qui se mettent là, contre, et reviennent pour les applaudissements. Alors, ils savent bien. Qu'ils jouent en jeu dramaturgique aussi. Une bonne partie, ils savent, oh, non, 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 il faut montrer qu'on est contre. Euh, et ils participent en jeu théâtral. D'autres, ils, ils participent au juste. Et ce n'est pas théâtral du tout. Euh, et ça dépend. On l'a découvert à la première du spectacle. On l'a découvert aux premières représentations, que ça serait comme ça un peu partout. On le soupçonnait parce que la première fois qu'on a lu en salle de répète ce texte-là, avec l'acteur qui le joue et que je l'ai amené parce que je travaillais à côté avec l'acteur. Alors c'était une surprise aussi pour le reste de l'équipe. J'ai eu au moins deux acteurs qui m'ont dit Je ne sais pas si je peux faire le spectacle, s'il y a ce texte dedans. Je dois réfléchir. Et c'était une crise pendant le processus parce que ça pose vraiment une question qui, pour moi, est une question de liberté d'expression et de liberté artistique, mais essentielle aussi pour comprendre la liberté d'expression et artistique, c'est que quand on dit un propos raciste sur scène, par exemple, on est dans l'espace du théâtre et ce propos raciste n'est pas nécessairement le propos de la pièce ou de l'équipe qui fait la pièce. C'est comme s'il y a le personnage d'Hitler sur scène. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où cette distinction qui nous paraît absolument évidente, banale, en lieu commun, n'est pas aussi évidente ou par exemple on voit bien dernière édition du festival d'avignon qu'une image violente sur scène était euh, manipulée par les crépuscules d'extrême droite comme euh, un propos comme si c'était un discours à l'assemblée nationale ou une tribune dans les médias alors une scène de violence sur scène c'est une scène de violence sur scène, c'est la représentation de quelque chose. Ce n'est pas même la défense de cette chose, ce n'est pas la perpétuation de cette chose, c'est parfois le dénon comment dénoncer cette chose. Et parfois, même si c'est la perpétuation de cette chose, même si on se dit bah, là, ça, ça perpétue une idée sexiste, par exemple. Euh, ouais, mais c'est dans une pièce. C'est quand même différent d'un propos sexiste à l'Assemblée nationale par un député. Voilà. Et cette différence, elle est essentielle pour que le théâtre ou les arts continuent à être un espace de liberté artistique et d'expression. Et je pense qu'avec ce discours-là du fasciste, pendant un moment, je, beaucoup de monde se repentit après, mais pendant un moment, plein de monde ne supporte pas cette liberté parce qu'elle dure longtemps, parce que le discours interpelle vraiment le public. Oui, ça se passe un peu partout. Parfois, on a des surprises. Dans, dans quelques villes, parfois, par exemple, en, en Italie, il n'y a pas beaucoup de réactions. Et je me dis, c'est parce qu'ils sont tellement habitués déjà <laughs> à ce discours-là qu'ils n'ont même plus de... Mais dans d'autres pays où on se dirait euh, en Suisse, ils vont jamais réagir. J'étais avec mon cher Vincent Baudrier, ancien directeur euh, ou co-directeur du Festival d'Avignon, qui dirige maintenant le théâtre de Vidi. Et c'est la première tournée internationale de ce spectacle-là. Et Vincent me dit Mais non, les Suisses, ils ne vont pas réagir. Ce n'est vraiment pas dans leurs habitudes. C'est un des lieux les plus violents jusqu'à aujourd'hui de ce spectacle. Mais les gens montaient sur scène, euh, criaient des chansons, applaudissaient pour en entendre pas l'acteur, etc. Et lui, il était complètement surpris. Alors, c'est un spectacle qui a quelque chose de singulier, d'unique. Euh, nous, on le soupçonnait parce qu'on avait du mal euh, pendant les répétitions avec cette scène-là. Mais c'est un trouble qu'on trouve riche et productif, euh, qui amène une tension à la salle, mais qui même euh, aussi nous rappelle euh, des possibilités du théâtre. Euh, ce que les censeurs de théâtre euh, pendant la dictature au Portugal disaient qui était le danger du théâtre, c'est qu'ils sont tous ensemble dans la salle, c'est contagieux. Alors là, magnifique, hein. tu as bouleversé la Suisse, euh, vraiment. Euh... <laughs> J'ai troublé. Je... troublé les Suisses de Lausanne. Ouais. Écoute, moi j'étais allé faire une fois un, un débat à Lausanne en tant que sociologue, où on m'avait dit. Euh, en tant que sociologue français sur la démocratisation culturelle, il faut que tu envoies vraiment du lourd, il faut que tu provoques la salle. Franchement, j'ai mis tout. Et il ne se passe rien dans la salle. Mais alors, rien. Et la personne qui m'a invité, je suis allé le, le voir. Je lui ai dit, enfin, j'ai raté mon coup. Là. Ai, franchement, j'ai tout mis. Hein. Je lui ai dit, non, mais si tu savais, en Suisse, comme on met un temps fou à se mettre d'accord avec tout le monde. Et là, je vois que tu as bouleversé les choses. Donc, euh, chapeau, Thiago. Hein. Beaucoup plus fort C'était le anti-référendum, là. Voilà. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on a encore quelques questions dans la salle Bonsoir, Frédéric Gros, je suis artiste enseignant au Conservatoire de Saint-Brieuc. Je voulais vous poser cette question parce que le festival, c'est également le festival off. Et le festival off, pour moi, c'est un, un immense marché du théâtre. Donc on est, on est là dans un système privé, pour le pire et le meilleur. Pour le pire, parce que j'ai en tête la pression que qui est exercé sur les sur les sur les, les compagnies les compagnies artistiques euh, voilà c'est il y a une pression concurrentielle énorme euh, c'est une grosse prise de risque économique pour pour les équipes et vous donc vous en tant que directeur du festival in quel regard vous portez sur l'évolution du festival off et euh, quel Lien vous tissez avec les représentants de cette autre partie du festival Merci pour la question. Euh, je suis directeur du Festival d'Avignon. Il n'y a pas de festival appelé In, parce que si on s'appelait In, on, INE, on définait euh, notre définition serait euh, envers euh, l'autre. Le Festival d'Avignon a été fondé en 1947, d'ailleurs 48, euh, par, euh, mais a commencé en 47 par Jean Villard, c'est un des plus anciens et importants festivals du monde et c'est une grand honneur de le diriger. Après, nous sommes le platane le plus grand dans le Jardin où il y a d'autres platanes, notamment le festival OFF. Uh, mais aussi uh, le festival Resonance, le festival de musique sacre, uh, le, il y a et le co contre-courant à l'île de la uh, à Villeneuve, uh, les Avignons, Villeneuve-en-Seine, en, en tas de manifestations qui se passent en juillet à Avignon. Évidemment, le festival OFF, par la quantité de propositions, de spectacles, de lieux qui sont occupés, il, 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 il a une présence très importante dans cet, cet écosystème. Et nous essayons d'être bienveillants, d'avoir un rapport sain avec tout l'écosystème. Alors nous avons un dialogue très transparent et très proche avec la direction de l'association OFF. Et après, aussi, un dialogue historique très important avec les scènes permanentes d'Avignon, qui sont des théâtres permanents à Avignon toute l'année, avec lesquels, d'ailleurs, nous collaborons, mais qui sont aussi dans, disons, le off pendant le mois de juillet. L'enjeu le, le, pour, pour le Festival d'Avignon, déjà, c'est de cultiver la différence des opérations. Le Festival d'Avignon est un projet de service public, qui euh, coproduit, c'est un festival de création qui coproduit et produit des spectacles et qui accueille aussi des spectacles dans des conditions professionnelles, légales, de dignité et de soutien des artistes. Euh, la dimension marché que vous décrivez, euh, je comprends euh, ce que vous décrivez et en même temps euh, ce n'est pas le résultat, euh, ce n'est pas une manifestation de ce qui fait le festival d'Avignon c'est plutôt une manifestation de l'évolution du festival Off et aussi d'une réalité de, de la scène française et, et disons mondiale des phénomènes comme le fringe autour du festival d'édimbourg avec d'autres caractéristiques une autre histoire pourrait être comparable. moi je trouve que nous essayons de travailler en bonne intelligence avec le off. Uh, pas au niveau de la coopération artistique nécessairement, parce que comme je disais, le mode de produire, le mode de présenter, le mode de diffuser, le mode d'accompagner les artistes et aussi la pensée de la programmation sont très différentes, parce que d'ailleurs le OFF est constitué par un grand nombre d'adhérents, n'a pas nécessairement une ligne de programmation qui colle les plusieurs propositions. Le Festival d'Avignon est une association qui a une équipe de programmation et qui pense... Une programmation euh, qui essaie d'avoir, euh, voilà, à correspondre à, une, à un nombre de critères, d'ambition, d'espoir euh, et ce qui est, euh, voilà, le code génétique et les valeurs du Festival d'Avignon. Euh, par contre, nous dialoguons beaucoup, par exemple, au niveau de ce qui est la circulation dans la ville. Nous, nous discutons la sécurité et la circulation de la ville. Des publics, nous sommes des interlocuteurs privilégiés de la préfecture de la ville. Euh, nous discutons beaucoup de la question de la mobilité des publics et des transports collectifs euh, publics qui sont disponibles pour le public, car nous savons que la plus importante euh, empreinte carbone, euh, par exemple, de, du festival d'Avignon ou des festivals euh, de juillet en, en Avignon ou d'Avignon en juillet, c'est la mobilité du public. Euh, grâce à nos études du public du festival d'Avignon, nous savons que 40 de notre public local, mais nous savons aussi que 60 du public van, vient en voiture. Et nous savons que le, la ville d'Avignon n'est pas bien desservie, surtout le soir, de transports publics, notamment train pour que les gens publics locaux qui habitent à une heure de distance et qui vont rentrer chez eux, ont des transports publics pour rentrer chez eux dont ils amènent les voitures. Alors, on pense que le public local contribue beaucoup à... C'est 60% de spectateurs qui viennent en voiture. Alors on travaille avec la région, en bonne intelligence. On travaille aussi avec d'autres partenaires et dont on discute avec euh, la direction du Off euh, le travail qu'il faut faire pour permettre qu'il y ait euh, des trains de nuit qui permettent de, par exemple, rentrer à Arles, ou rentrer à Montpellier, ou rentrer à Marseille plus tardivement quand les grandes jauges du festival d'Avignon n'ont plus de spectacle. Ça, c'est un type de travail sur lequel nous pourrons nous pouvons discuter, et après aussi d'autres choses moins sexy comme les déchets et des choses comme ça. Euh, mais dans ce sens-là, je crois que nous pouvons travailler euh, sur euh, une partage de responsabilités d'institutions qui contribuent à la vie de, des festivaliers euh, en juillet à Avignon et à créer les conditions pour que... Soit au niveau écologique, soit au niveau de sécurité, euh, soit au niveau d'information, euh, le bien-être euh, du public euh, soit assuré et ça c'est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler, surtout parce que c'est des chantiers qu'aucun aucun lieu culturel ou aventure euh, artistique peut complètement contrôler parce qu'ils sont liés aussi à la volonté politique et à des mesures politiques territoriales. Merci beaucoup. Alors. Peut-être des, des, des collégiens qui ont participé. C'est ça. Alors. Oh <laughs> euh, moi, c'est Raphaël. Moi, c'est Océane. Moi, c'est Cécilia. Et du coup, on est allé euh, au, au Festival. Ah oui. Moi, c'est Camille. Et euh, on est parti au, festi au Festival d'Avignon en juillet 2022. Donc pendant. Enfin, oui. 2022. Oui. Euh, pendant cinq jours, je crois. Trois, c'est six jours, oui. Et, euh... et donc, euh, tout à l'heure, vous aviez dit que euh, vous avez, que comment dire que le festival d'Avignon c'était comme une grande fête. Et nous, euh, pendant ce séjour, c'est ce qu'on a ressenti euh, le fait de, de rentrer le soir, manger, et puis repartir après. C'est vraiment la sensation qu'on a eue que bah, c'est comme une grande fête. Tout le monde se réunissait pour euh, voir tous les spectacles. Je suis très soulagé parce que. Et, et... Moi, imaginé le souvent. Vous avez dit que c'était une grande fête, et pas du tout, on s'est Là Vraiment, c'était nul, on reviendra jamais. Là, il y a eu un moment que j'ai dit, là, j'ai vraiment travaillé ce soir, j'ai essayé de vous enthousiasmer pour vous faire venir au Festival d'Avignon, et là, trois phrases, ça va tout détruire. Mais heureusement, ce n'était pas le cas. Merci. Invitation. Vous oui. avez une autre question Ah non, c'est maintenant. Euh, nous, on souhaite vraiment y retourner, donc s'il y a des petites invitations, <laughs> on peut venir. <laughs> on est preneuses. Très bien, parce que vous avez le courage. Euh, voilà, on se, on, se, on se parle à la fin. Je vous file le, le contact de Pierre Jandrano, qui est le, la personne. Ah oui, ah, oui. Voilà. Déjà, passe culture. Avec le passe culture, euh, c'est presque mieux qu'une invitation. Parce qu'avec le Pass culture, ce pas juste le biais, c'est aussi l'accès, c'est aussi euh, la billetterie dédiée, c'est aussi euh, voilà, les sourires encore plus larges de notre part. Passe culture. Je suis content de l'entendre. Merci Pierre. D'habitude, c'est moi qui fais la com sur le passe culture. Là, Merci. Ah C'était Pierre. Voilà. Merci. Oui ouais. Bonsoir. Euh, au Festival Avignon, je crois savoir que vous organisiez des rencontres et débats avec... Euh... Entre les, les artistes et le public. Et euh, du coup, on, on voulait savoir comment vous organisiez ces rencontres, comment euh, ben, vous, vous organisiez le temps consacré à recueillir la parole du, du public, et euh, co comment vous faisiez pour que ces conférences touchent euh, un maximum de personnes, en fait. Nous avons plusieurs modalités de rencontre du public avec des artistes. Euh, elles sont vraiment très diverses. Par exemple, les matinales. Et ça, c'est euh, presque une émission radio, mais euh, au Café des Idées, qui est le, au de Saint-Louis, euh, au centre du festival. Euh, et là, c'est euh, typiquement journaliste qui invite plusieurs artistes de l'actualité du festival et qui parle de ces de projet face en public euh, on a aussi la modalité de débat préparée euh, par les CMEA et conduite par les CMEA avec le méthode CMEA euh, très horizontale très préparée avec des questions des groupes avec un travail en amont une discussion avec l'artiste et après le rencontre avec le public c'est ouvert à tout public mais il y a toute une méthodologie de participation de prise de parole etc euh, après on a aussi euh, tous les rencontres qui sont publiques et qui appartiennent à d'autres dispositifs par exemple, le projet de radio Making Waves, il est public et il invite des artistes à parler. Euh, le, les rencontres foi et culture euh, euh, sont des rencontres aussi avec le public et la possibilité de poser des questions à la fin. Euh, parce que c'est un festival avec euh, beaucoup d'artistes, beaucoup de partenaires et aussi beaucoup d'opportunités de débat. Euh, ce que nous essayons, c'est qu'à l'image de la programmation artistique, il y a aussi une pluralité de modalités. De comment le public peut rencontrer les artistes. Parfois d'une façon plus organisée, et moins accessible. Parfois d'une façon très ouverte où il y a plein d'espace pour la participation du public et, et les questions. Et, et tout dépend après si on a un artiste très bavard comme moi ce soir, ce qui empêche le nombre de questions, ou des artistes qui répondent moins et permettent plus de questions. Et il est 20h52, c'est-à-dire c'est la fin des questions. Et c'est la fin des questions. Ah, non, je plaisante. Vous voulez poser une dernière question, peut-être, monsieur On va vous passer le micro. Euh, Gérard euh, Je Spectateur. Mmh. Je vais vous poser la question suivante. Dans quel cadre se situe votre venue ce soir à Guingamp Parce que le café des idées à Avignon est interdit internationalement connu, vous le disiez tout à l'heure, euh, le chant du roi à Guingamp, me semble-t-il, n'a pas la même audience. Alors, le chant du roi, en, je peux vous répondre en toute oui. simplicité, le chant du roi, c'est en théâtre ami, qui a eu déjà pas seulement la générosité de présenter mon travail euh, artistique il y a quelques mois et moi malheureusement je, à cause de mes engagements avec le festival j'ai pas pu venir pour accompagner le spectacle alors j'étais en dette euh, et cette visite fait partie de répondre à cette dette j'essaie d'aller au théâtre, Parf parfois c'est pas les bons jours, c'est pas quand mes spectacles se présentent là-bas euh, mais j'essaie d'avoir ma petite liste et d'y aller en jour et c'était ma première fois à Gangan et alors venir euh, découvrir le théâtre, c'était élémentaire pour moi, mais c'est surtout le résultat de l'invitation de l'ANSEAC qui est un partenaire partena important du Festival d'Avignon, euh, et que je voudrais absolument découvrir, car c'est aussi un projet et une, une expérience, euh, euh, voilà, institutionnelle, politique et culturelle, très singulière, euh, et mon attachement. À l'éducation artistique et culturelle, l'attachement du Festival d'Avignon à l'éducation artistique et culturelle et le partenariat qui existe déjà avec l'ANSEAC a mis Gangan dans, dans ma liste de visites urgentes depuis longtemps. Après que la visite s'est constituée, euh, euh, et avec Emmanuel, et avec l'ANSEAC, avec Damien, avec euh, voilà, toute une équipe et avec le théâtre, euh, on, on a pu organiser la possibilité dans, dans en rencontre publique aussi avec des étudiants de l'ENCA voilà de traiter quelques questions et de partager quelques idées en pensant que ça pourrait être un peu intéressant et demain il y aura toute la matinée à l'ANSEAC, une grande séance de travail et aussi des discussions sur les partenariats avec le Festival d'Avignon et surtout la découverte en proximité de, du travail précieux qui est fait ici. Alors c'est dans ce cadre-là qui est un cadre, voilà, bien sûr institutionnel parce que à Festival d'Avignon et l'ANSEAC, mais aussi d'une curiosité personnelle, personnelle et d'un attachement personnel à ce projet euh, qui a fait que je, je suis venu visiter et je ne suis pas repenti parce que. Avant le rencontre, il y a eu un apéro et ils me disent qu'après le rencontre, il y a même un dîner. Alors ça fait deux repas. Voilà, vous m'avez gagné. Et je peux retourner en Bretagne. Ça fait déjà deux ans que je ne venais pas en Bretagne et, et j'aime bien la Bretagne. Merci beaucoup, Thiago. Euh, merci beaucoup infiniment pour cette merci. présence. Il me revient donc aussi de dire un grand merci à Céline Larrière du théâtre du Champeaurois, à sa formidable équipe, ainsi qu'à Damien Malinas de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle, et à sa formidable équipe. Et puis peut-être un dernier mot, parce que vous avez vu que je vous ai lu, et Thiago l'a dit, un petit scoop, sur le texte que j'ai lu tout à l'heure n'est pas publié, n'avait jamais été publié. J'aimerais bien juste en lire la fin, parce que je trouve que c'est une très belle conclusion. Durant la prochaine décennie, la France et l'Europe affronteront des défis qui termineront leur avenir. Se relever d'une pandémie, tout en affrontant ses conséquences économiques et le danger d'aggravation des inégalités sociales, les extrémismes et les nationalismes qui menacent la cohésion sociale. L'urgence climatique et environnementale qui exigera une profonde transformation du système de production. Dans ce contexte, fondé sur des valeurs essentielles de la démocratie française et sur sa propre histoire faite d'excellence et de liberté artistique, le Festival d'Avignon doit absolument être ce café de l'intelligence et du plaisir qui promeut un horizon d'avenir au vieux continent et promeut une société où les arts vivants seront un outil au service de la qualité de vie de la justice et du bonheur.